Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire Écrire, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes tout début 2017 et que donc je viens vous souhaiter tout d'abord une excellente année 2017. J'espère vraiment de tout cœur que tous vos vœux se réaliseront, que vous aurez le bonheur et surtout la santé dont vous avez besoin. Et surtout n'hésitez pas à rêver. J'avais un ami qui m'avait dit un jour, il faut rêver beaucoup pour que certains rêves se réalisent, je me rends compte que c'est vrai. Et donc, je vous souhaite de rêver beaucoup pour que certains de vos rêves puissent se réaliser. Voilà. Cela étant dit, je souhaite faire une petite rétrospective de ma chaîne YouTube, puisque, comme vous le savez peut-être, ma chaîne va bientôt fêter ses 1 an. Ma toute première vidéo qui s'appelait Habiller un stylo, et c'était avec de la pâte polymère donc, est sorti le 30 janvier 2016. C'était une petite vidéo toute simple. J'étais presque tremblante de la faire, j'avais pas confiance en moi, je me demandais si c'était une bonne idée de créer ma chaîne YouTube, et je me suis lancée sur une petite plaque de verre avec des donuts en décor. Des personnes qui ont commencé à me suivre très très vite m'ont dit que ce serait bien de changer de décor parce qu'on ne voyait pas mes créations et c'était vrai. Donc j'ai changé ça depuis, je me suis un peu améliorée, je pense. C'est mignon de voir la rétrospective et de voir comment on a commencé, comment on n'était pas sûr de soi, comment on ne voulait pas montrer sa bouille, voilà, et comment on a évolué. Je suis fière de cette année passée. Je suis heureuse de 2016 pour ça. J'ai pu me rendre compte que je m'améliorais. J'ai pu me rendre compte que je prenais confiance en moi. La preuve, c'est que maintenant, je vous montre ma bouille sans problème, alors qu'au début, je ne vous la montrais jamais. J'ai pu voir l'intérêt que vous pouviez porter à certaines de mes créations. Ça me touche beaucoup. Et j'ai surtout rencontré des personnes vraiment merveilleuses sur ma chaîne YouTube soit qui sont venues vers moi, soit moi, je les ai trouvées et ensuite on s'est liés d'amitié. Donc il y a de très très belles personnes dans les créateurs que je suis ou qui me suivent, ou les deux d'ailleurs souvent. Rien que pour ça valait le coup de lancer cette chaîne YouTube et je suis ravie de l'avoir fait, même si je l'ai fait du bout des doigts et du bout des orteils, on va dire, au départ. Depuis le 30 janvier, j'ai sorti 77 vidéos, ce qui fait quand même une bonne moyenne. J'ai des vidéos qui n'ont eu que 21 vues, j'ai des vidéos qui ont eu un peu plus ou beaucoup plus. Ma plus grosse vidéo a eu 11 000 et quelques vues parce que c'était une vidéo sur un pistolet à colle pour faire une coque et je sais que c'est très à la mode. C'est pour ça que cette vidéo a fait un peu de succès. Malheureusement, c'était une vidéo qui montrait surtout un ratage. Ce sont des choses qui arrivent. C'était un test, je l'ai fait, je l'ai raté. Ça arrive. J'ai quand même souhaité mettre la vidéo parce que je voulais montrer que parfois on nous montre des choses en vidéo qui ont l'air très 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 simples et puis en fait c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mise en ligne. C'est pour ça aussi que j'ai reçu des messages avec des petits noms d'oiseaux très sympas, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, je l'accepte sans problème. Le 19 juillet, j'ai lancé mon premier haul sur mes vidéos, puisque je me suis rendu compte que, premièrement, ça intéressait les gens. Deuxièmement, ça leur permettait de savoir où on achète nos apprêts, etc., notre matériel pour travailler. Et donc, que ça pouvait aussi les aider pour débuter. Et comme le but de ma chaîne YouTube, c'est aussi, et surtout, j'avais envie de dire, d'aider les autres dans leur création, eh bien, je me suis lancée aussi. Et donc maintenant, je fais beaucoup de vidéos de haul, parce que je fais beaucoup d'achats, enfin, pas tout le temps, mais à certaines périodes. Voilà. Et le 23 décembre dernier, j'ai lancé, toujours sur cette même chaîne, mon premier poème en vidéo.
Alors, ce sont des vidéos qui ne durent pas longtemps, bien sûr, mais qui me semblent intéressantes aussi. Et bon, certains m'ont dit qu'ils souhaitent que je continue. D'autres n'ont rien dit, mais ce n'est pas grave. De toute façon, comme chacun est libre, pour moi, c'est important de continuer. Donc, j'en donnerai d'autres, j'en mettrai d'autres, ça c'est sûr. Avec en plus en fond mes propres photos, puisque je suis aussi une férue de photos, j'aime beaucoup la photographie. Alors je suis pas très douée non plus dans le sens où j'ai pas fait comment dirais-je, de stage ou d'apprentissage pour faire des photos, mais j'ai la chance d'avoir, grâce à mon chéri, un appareil photo, parce qu'en fait il me sert beaucoup d'appareil photo, mais un téléphone portable qui me sert donc d'appareil photo en même temps. Enfin, il me fait tout. Ce téléphone, il est formidable. Je suis devenue geek depuis que j'ai ce téléphone, au grand désarroi de mon chéri. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je suis une férue de photos, je suis une férue de poèmes, je suis une férue de créations en tout genre. Parce que, en plus, je trouve que la plus belle création qui existe, c'est la nature. Je pense que c'est un grand artiste qui a créé la nature, parce que rien que moi, le matin, quand je me lève, la première chose que je regarde, c'est le lever de soleil. Alors, il y a des jours où il est difficile à voir, parce que surtout en ce moment, par exemple. Mais voilà, chaque jour, au même endroit, c'est pas la même chose. Donc, je trouve ça merveilleux et ça m'inspire. Voilà, alors tout ça pour vous dire que ma chaîne YouTube, donc créée depuis un an, bientôt, a évolué, m'a beaucoup apporté. Apparemment, apporte aussi beaucoup à certains d'entre vous et j'en suis ravie parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai faite au départ. Et donc, il est bien évident que je ne vais pas laisser passer l'anniversaire des 1 an sans rien faire. Alors, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, mais j'y réfléchis. Si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Je suis aussi en train de refaire ma boutique en ligne en totalité. Je vais donc aussi trier toutes mes créations. Et je pense que mes créations... j'allais dire un petit peu plus ancienne, c'est-à-dire que j'ai depuis un petit peu plus longtemps. Enfin, je vais faire un tri et certaines de mes créations vont partir pour faire un concours pour vous faire gagner quelques-unes de mes créations, que ce soit ici ou sur ma page Facebook, quand elle aura atteint les 1500 abonnés. Donc, je ne devrais pas tarder parce que je suis à 1440 et quelques. Donc voilà, je suis en plein projet sur beaucoup de choses et en même temps, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous demande de me pardonner si je ne mets pas assez souvent des vidéos, si je ne suis pas assez présente pour vous. J'en suis bien désolée, je suis la première à en être désolée parce que j'adore créer et j'adore créer avec vous. Je fais de mon mieux. C'est vraiment, je fais de mon mieux, je fais autant que je peux, mais j'ai des journées relativement fatigantes en ce moment. Le soir, je me dis, tu devrais aller dans ton atelier, créer un petit peu, faire des choses ou faire tes vidéos, etc. Et parfois, je ne peux pas parce que je suis trop fatiguée. J'ai quand même un travail assez prenant et assez fatigant, et donc je ne peux pas faire aussi vite, aussi bien tout ce que je voudrais faire. Au niveau de YouTube, de mes créations, de ma boutique en ligne, etc., etc., de mon blog que j'ai pas été non plus nourrir depuis quelques temps. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là pour cette année 2016, ou de vous être abonné ou pas d'ailleurs, mais de m'avoir suivi. Depuis le début ou depuis un peu moins longtemps, mais peu importe. Je vous remercie de continuer à me suivre si vous le souhaitez. Je re vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, de tout ce que vous faites pour aider ma chaîne YouTube à perdurer. Et ben, je vous dis à bientôt pour, je pense, un concours ou quelque chose qui va permettre de fêter dignement les 1 an de ma chaîne YouTube. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à très très bientôt.